Alors, madame, monsieur, je me permets déjà donc de vous présenter les deux beurres qui vont accompagner votre déjeuner ce midi. Donc, celui-ci est un beurre noisette, donc un beurre maison, légèrement caramélisé. Donc. Ensuite, le deuxième donc, est un beurre demi-sel breton qui a été produit donc, à une dizaine de kilomètres de Rennes. La vache qui est à l'origine donc, de ce beurre s'appelle la Froment du Léon. Donc, c'est une race de vache oublié un petit peu et qui a la particularité d'avoir dans son lait beaucoup de bêta-carotène, du coup qui produit un beurre donc extrêmement jaune, extrêmement orangé, on dirait presque un sorbet citron orange. Et le pain viendra un petit peu plus tard pour la dégustation. Et monsieur également, je vous invite à prendre le diacoule et à le déposer en haut de l'assiette. Alors madame, monsieur, donc quelques explications sur ce que Iris vient de vous déposer sur table. Donc on commence avec les feuilles. On va débuter donc au centre de votre assiette avec un jus de fraise parfumé à l'eau d'huile de sureau, gel de pamplemousse et un damier, groseille et lérée. Ce que Iris vous a fait prendre donc dans votre main, en dessous de toutes les lamelles de truffes blanches, se trouve un dé à coudre. À l'intérieur de celui-ci, vous avez une crème de chou-fleur légèrement truffée que je vous invite à aller chercher grâce à cette spatule-ci en mangeant préalablement le pain avec un lévrier de persil dedans. On continue donc avec la cuillère verte sur laquelle se trouve un gambero rosso cru préparé avec mimosa et nougatine. Sur le reste de la table, vous allez avoir ici différents pains. Les pains dentelles aux fruits secs. Sur l'extérieur, les croûtes de pain parfumées aux algues et parmesan. Et au centre, à la fleur de sel. Sur cette assiette-ci, donc au bout des pics, vous avez des petites sphères qui ont été réalisées à partir de haddock fumé, foie gras et gelée de Campari. Et des barquettes parfumées au paprika avec soubressade de chorizo et noisettes torréfiées. Il n'y a absolument aucun ordre pour la dégustation, madame, monsieur, donc n'hésitez pas à passer d'une assiette à l'autre. Voici. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, pour déguster les différents beurres qui sont sur table, je vous ai déposé un morceau de pain à l'infusion maison, composé de différentes plantes aromatiques, du thym serpolet, du thym citron, de la menthe, de la cime, très herbacée. D'accord, d'accord. Merci. Alors, madame, monsieur, donc, débutons donc une dégustation autour de la bavaroise de mer. Avec donc l'araignée de mer, avec murex et amandes de coquillage. Le tout donc avec sommité de chou-fleur et cuir de veau. Sur le côté, la salicorne. Donc, je vous propose de déguster avec donc, l'ensemble du blanc parce que celle-ci va venir vraiment aromatiser et assaisonner l'ensemble. Voici. Et on poursuit avec un pain traditionnel et un pain brioché maison. Alors, madame, monsieur, nous continuons cette fois-ci autour de la ferra, donc en mousse que vous allez retrouver au centre de votre assiette, recouverte de mousse de crème de caviar au ciel. Sur le côté, les navets glaçants avec les fans qui ont été en mousse. On remonte donc dans le petit bol avec les petits pois, ces bêtes, crêtes de coque et gnocchi de parmesan, dans lequel je viens vous verser donc le fameux bouillon Zégette, donc une création du chef à base d'herbes fraîches, dont vous parlez donc Florian. Et pour terminer donc sur la droite, vous avez donc la mousseline de grenaille de noirmoutier, une variété de petites pommes de terre, avec betterave bigarro et épinards. Il n'y a pas d'autre pour la dégustation, donc n'hésitez pas à passer d'une assiette à l'autre sans problème. Alors madame, monsieur, donc, cette fois-ci continuons donc autour de la langouste royale. Servi avec cœur d'artichaut breton, le tout donc préparé avec un beurre de carotène et parfumé au poivre de Madagascar. Sur le côté gauche, vous allez avoir donc un carré de lérigo, donc un lait légèrement acidulé avec des arbres de sarrasin déposés sur une pommette de porc. Sur le côté droit, le carpaccio de sèche déposé sur un quigra farce. Donc c'est une spécialité bretonne également, donc un pot au feu, ici donc légèrement fumé, et donc qui va extrêmement bien se marier avec le côté terre-mer du plat. N'hésitez pas à vous aussi à passer d'une assiette à l'autre, hein, madame, monsieur. Merci, merci à vous. Nous avons donc avec huître, avec encornier, couteau, et également coque, pousse-pied, donc déposé sur une feuille de chou, donc verte. Avec également donc aromatisé aux algues sauvages, des coquilles du croisic et un beurre lindé, donc un beurre de cuisson qui va vraiment lier l'ensemble du plat. Voici. Quelque chose pour vous rafraîchir un petit peu avant de passer à la suite.
Donc ce sont des, c'est joli, hein. Donc ce sont des dés de pastèque donc, qui ont été imbibés avec du campari, déposés donc sur un velouté de stracciatella avec fleur et feuilles du moment, asperges sauvages et du lardo con magro, une charcuterie italienne. Voici. C'est magnifique. Alors madame, monsieur, donc continuons cette fois-ci au bourrin. Donc au rouge et barbe grillé, servi avec donc le violet sur le dessus. Donc le violet c'était un crustacé, un coquillage plutôt. Donc triodé, donc je vous propose vraiment de déguster au fur et à mesure du rouge pour ne pas vraiment boire la tasse. Hein. Donc servi avec pois chiche, avec le voile de bouillabaisse transparent en dessous. Et un condiment qui a été préparé à base de maquereau, avec également anchois et poivron du Roas, un poivron du Basque espagnol. Voici. Donc le canard, chalamburgo, donc les aiguillettes, donc avec courgettes, également les échalotes confites et les baies de cassis pour donner un petit peu d'acidité au plat. Je vous vois sur le dessus donc le jus de cuisson. Et sur le côté, vous allez avoir donc le caviar d'aubergine avec également la compotée de fruits d'été, la chips et également la peau servie pour cela. Et voici. Vous allez avoir donc au niveau de la pointe donc un calisson d'ex. Vous allez avoir également une marta chocolat donc avec fruits confits à l'intérieur, la vie sucrée avec gel de pamplemousse et la biscuit, le biscuit dentelle. Bonjour. Je vous en prie, en fait. Il a le col toujours au départ. Jamais. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Merci pour votre accueil. Bonjour, madame. C'est bon. Non, non, c'est bon là. Vous voyez un petit peu de caméra dedans. Ouais. C'est bon. Bien chaud, voilà. Là, vous pouvez filmer, il n'y a pas de problème. Là. Voilà. Ouais, bah, on va le garder quand même. Ah non, on est vacciné. Félicitations. Hein. Merci. On peut y aller du début à la fin. Franchement, pas de problème. Première expérience. Il y a longtemps que j'ai eu l'affaire. Bon. On pensait pas à l'enfer, mais là, on en avait tellement parlé. Ouais. Merci monsieur. Merci infiniment. Alors. Je vous remercie parce que c'était. Ah monsieur, je suis content. Hein? Voilà, c'est Michel, c'est lui. C'est lui, c'est Thierry. C'est Thierry. Moi je suis. Non mais le chef. Le grand frère ou le grand-père. Ça dépend moi. On va dire le grand-père. Non mais on s'est vraiment fait, c'était super. Voilà. Il fallait vraiment, on ne regrette pas d'être venu. Non mais, venu et, on ne triche pas. Non, c'est mais, en plus, ouais, vous avez ouais, souffert ouais, un petit peu avec ouais, ce problème de ouais, ouais, fonctionnement. Tout un ensemble, le service en salle est super. Ouais. Enfin, c'est ça qui fait la différence. Alors, madame, monsieur, nous allons donc débuter avec ces quelques premiers desserts. Donc, au centre, vous allez avoir donc texturé. Donc comme le dit le dessert, donc beaucoup de mâches. Au niveau de différentes mâches, au niveau de la vallée, vous allez avoir un jus gluant de citron au fond de l'assiette, hein, avec une glace vanille, hein, et également donc, de la meringue, des groseilles cristallisées, des palais bretons, et également des loups. Ensuite, on aussi, je vous présente l'enfer, donc, qui se décline en gelée d'olive noire, panna cotta, safran, pomme rouge, grillé et framboise.
N'hésitez pas à casser la tuile pour vraiment avoir toutes les textures en bouche. On continue avec la mousse de café, cerise noire imbibée au vin rouge Porto, avec également réglisse en meringue et amande. Et pour terminer, autour de la du parfait glace de chartreuse verte, chlorophylle de persil et fenouil. Merci beaucoup. Peut-être terminer la dégustation par celui-ci, parce que la réglisse et le café sont quand même assez fort au milieu. On fait ces trois-là, et voilà. Merci beaucoup. Donc autour du chocolat, donc avec noisette et amandes caramélisées. Et donc le gâteau a été parfumé en capre. On continue donc avec la déclinaison de rhubarbe sur le dessus, avec l'émulsion et cassis éclaté. Attention, chocolat au lait praliné, chocolat noir au cognac. Alors je vais prendre praliné parce que monsieur, chocolat noir. C'est fait ici, ça? Oui, c'est fait maison. Le praliné, c'est tout. Merci beaucoup. Merci.